Hello everyone and welcome to our panel. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre panel qui s'intitule La Terre Mère. So our panel this afternoon is Mother Earth. So in this panel, we're going to be talking about the relationship between humans and their environment, the importance of connecting with nature. We'll be thinking about how the land tells stories and conserves memories and history, the connection between land and health, land and well-being. And then towards the end of the panel, I'd like to bring it back to this notion of Mother Earth, La Terre Mère, and talk a little bit about the very specific relationship between women and the land and the maternal and the land. So I'm delighted to be with three wonderful writers today, one from Ireland, one from Quebec, and one from La France. So we have with us from Ireland, we have John Connell, an award-winning Irish author, journalist, film producer, runner, and farmer. He hails from County Longford, and his first book was published in 2018, The Cow Book, and then most recently he published The Running Book in 2020. Et puis du Québec, nous avons Natacha Canapé Fontaine, Innu de Pessamit, c'est ça? On le prononce comme ça? Elle est poète, artiste en art visuel, et elle est aussi militante des droits autochtones et de l'environnement. Elle a gagné beaucoup de prix pour sa poésie et elle va parler aujourd'hui en particulier de sa dernière publication, son dernier recueil, Nani Miswa, Il Tonnerre, qui est sorti en 2018, mais aussi un petit peu de Bleuet et Abricot, qui est sorti en 2016. Et puis, troisièmement, nous avons le plaisir d'accueillir Frederica Van Ingen, qui est journaliste et auteure. Elle s'intéresse aux relations entre l'écologie, l'environnement et la santé et le bien-être. Son dernier livre est apparu en 2020 et s'intitule, pour vous donner le titre court, ce que les peuples racines ont à nous dire. Et elle a aussi publié en 2016 Sagesse pour vivre aujourd'hui. Et on lu les textes des trois auteurs rassemblés ici aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire entre les trois auteurs, vos textes en général. Et donc, j'essaierai que pendant notre conversation, on aura l'occasion de mettre vos idées ensemble et de voir un petit peu les comparaisons entre vos idées. I'm actually going to start with a very simple question relating directly to the title of the panel, Motherland, La Terre Mère. And I just wanted to ask you to reflect on whether you feel you have a particular link to a motherland. And this could be anything from a town, a county, a nation, or a much wider space. It could be, you know, the world more generally. And if you do, if you feel that you have a particular relationship with what we might call a mother land, what this relationship resembles, is it an ambivalent relationship, a positive relationship, a relationship that gives solace, or a relationship that causes pain, or no relationship whatsoever. And the reason why I am particularly interested in this question is because I come from a place in Northern Ireland called Derry. And Derry is a city that was very badly affected by the Troubles. So I have a very specific relationship with my
mother town. You know, I can see the history of my people in the town. I can see the remnants of the pain and the suffering of the colonization. But I can also see the voices of the future, or a space that's opening up into the future. Donc c'est aussi ma ville natale. C'est à la fois un lieu qui représente beaucoup de souffrance à cause de des troubles en Irlande du Nord et du passé de ma ville natale, mais aussi un lieu où il y a beaucoup d'espoir aussi, je crois, pour l'avenir. Donc c'est ça. Je voulais que vous me parliez de vos relations personnelles avec votre terre-mère, si vous en avez une. On va peut-être commencer avec Natacha, si ça ne vous dérange pas. Non, c'est bon. Puis j'espère que ça ne dérangera pas que des fois je passe de l'anglais au français, dépendamment de quand je vous écoute parler. Mais pour l'essentiel, je vais le faire en français d'abord. Moi spécialement, c'est sûr, en étant Innu et en étant autochtone du Québec, j'ai vraiment une relation très spéciale avec le territoire ici. Je vis à Montréal depuis 8 ans maintenant et c'est environ à 9 heures de route de mon village, Pessamite, et donc aussi en quelque sorte du territoire ancestral. Et le territoire ancestral des Innus, de mon peuple, si certains connaissent la carte, sinon je vais vous donner les noms, c'est à partir de la rivière Saguenay, donc la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, jusqu'au Labrador. Donc vers l'ouest, vers l'est, et c'est une superficie qui égale celle de la France. Donc vous pouvez imaginer la grandeur, l'étendue du territoire ancestral innu. Et donc pour moi, en quelque sorte, c'est une très grande partie du Québec aussi. Et je suis la petite fille de chasseurs. Mes deux grands-pères étaient des chasseurs-trappeurs. Et notamment, le père de mon père était quelqu'un qui nous a transmis des savoirs ancestraux en lien notamment avec le territoire ancestral et ce qu'on appelle le Nojimit dans la langue Innu-Imun. Et pour moi, au travers de la poésie depuis une dizaine d'années, j'essaie vraiment de transporter cette relation-là, non seulement dans l'écriture, dans la poésie, mais aussi à l'intérieur de moi, et que la poésie, en fait, devienne le témoin de cette relation entre moi et mon territoire, même si je me considère étant en exil, en vivant à Montréal, dans le sud du Québec, et que je me sens en fait séparée du territoire ancestral. Mais en même temps, en habitant au Québec, je me trouve quand même sur le territoire qui m'a vu naître, qui me voit évoluer. Et donc, pour moi, c'est un constant questionnement de comment est-ce que je peux, moi, être en relation avec des territoires, ce que j'appelle des territoires d'arrivée. J'ai le territoire d'origine, j'ai le territoire d'arrivée. Et comme je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, comme mes ancêtres, je réfléchis beaucoup avec les territoires d'origine et les territoires d'arrivée, et comment est-ce que les territoires d'arrivée et de passage aussi peuvent influencer mon identité innue quotidiennement, mais aussi au travers de mon écriture au fil du temps. Merci beaucoup, Natasha. John, would you like to come in there? Maybe talk to us about Longford? Yes, hello everyone, and thank you for having me on today's panel. Yes, Longford is where I'm from. My family have lived here for a couple of 100 years. We are farmers. We have lived in the same place for many generations, and I suppose that the land is, as I say in my book, the land is what we know and what we understand. It's a landscape formed out of history. We would have been tenants to an English landlord first, so a little bit like what you spoke of, Julie, with colonization and then reclamation of that land. And I suppose I see it as a part of my culture, not just as a farmer, but land. I think for all our three speakers, land speaks to something that is a bigger connection. And for me, I lived in Australia for a long time and worked with Aboriginal Australians. And
would have been a similar experience with connection to land that I found in my Aboriginal friends. So that's something that I kind of, in coming back, have brought with me to understand this place a lot more. And my world that I write about isn't even a whole county. It's a farm, it's a parish, and a townland, which is an even smaller divider. So I have kind of focused in on what John McGarn used to say, that the local was the universal, and in focusing on the local, I've found a universal connection to other places. Mm-hmm. Yes. Thank you. Et pour vous, Frédérica, est-ce que vous ressentez une relation avec une terre mère, ou est-ce que ça n'existe pas pour toi, ou est-ce que c'est l'univers en entier? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une connexion enfant. J'ai grandi, mes parents étaient agriculteurs et j'ai grandi dans une superbe région ici en France qui s'appelle la Brenne, au milieu des étangs, des forêts, et j'ai eu une enfance libre. Donc j'ai pu expérimenter la nature par moi-même, vivre des longs temps de contemplation en nature. Pour moi, c'était très important, la contemplation. Et en fait, aujourd'hui, quand je refais mon chemin, mon parcours depuis ce temps-là, ce que j'ai fait en tant que journaliste, les explorations que j'ai faites, c'était finalement essayer de comprendre c'était quoi cette relation. Donc, effectivement, cette idée de terre-mère, elle me parle. Enfin, aujourd'hui, elle me parle beaucoup, puisqu'ensuite, ça m'a amené à un moment ou à un autre à explorer les visions de ce que j'appelle les peuples racines, parce que justement, j'aime bien ce terme de racine qui rappelle la terre. Et parce que je suis convaincue qu'à un moment, il y a longtemps, certainement, on était tous ça, et que nous, on l'a perdu. Et il y en a qui l'ont encore. Donc, c'est un vrai trésor pour moi que d'aller creuser, d'aller ressentir, parce que c'est vraiment une question de ressenti. Pour moi, ça passe vraiment par l'expérience, le physique, le fait d'être en relation avec cette nature. Donc, oui, j'ai eu ça enfant, je l'ai perdu, j'ai eu vraiment un sentiment d'exil, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, un de nos mots, c'est ça, c'est peut-être ce sentiment d'exil, d'avoir un peu perdu ce lien avec cette terre-mère. Ouais, c'est quelque chose de palpable, et donc ça m'a amené moi aussi à retourner plus près de la nature, à quitter Paris après pas mal d'années de vie urbaine pour essayer de retrouver ça, puis essayer de retrouver l'essence de ce que c'est ça. Merci beaucoup, Frédérica. One thing that stood out for me when looking at all three of you was when I was reading your text, that I had this sense of walking through the land, or walking across lands, or running, or traveling, or moving from one space to another. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup d'errance, de nomadisme, de mouvement dans vos textes, tous les trois. Et j'ai pas vraiment une question précise, mais je voulais que vous me parliez de ce lien entre la terre et le mouvement, le déplacement, la marche, ou dans le cas de John, la course, ou aussi dans le cas de John, le fait de travailler la terre. Donc, si vous avez des choses à ajouter, des réflexions à faire là-dessus. Frédérica, je vais peut-être commencer avec vous cette fois-ci. Oui, alors, c'est drôle parce que quand vous posez cette question-là, moi, ça me renvoie au fait que, étrangement, je me suis beaucoup intéressée à ces connexions, à ces cultures connectées à la Terre, mais ça ne m'a pas forcément amenée à voyager. Ça m'a amenée à voyager intérieurement, en fait. Et moi, ce que je constate, en tout cas, hein, parce que j'ai un peu suivi ce que la vie me proposait, et ce que la vie m'a proposé à chaque fois, c'était vraiment ça, c'était plutôt un voyage intérieur. Donc, pour moi, je suis nomade à l'intérieur, mais après, voilà, quand le bouger se présente. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement mondialisé que parfois l'essence du nomadisme ou du voyage a perdu son sens. Donc, je me dis, je préfère trouver à l'intérieur de moi le sens du voyage intérieur que d'aller
d'explorer partout et de ne voir que les choses en surface. En fait. Voilà. Donc, je répondrais, c'est un peu une voie détournée, mais c'est comme ça que je répondrais. Ouais. And John, in your book, I mean, we are literally running through the land with you. You know, we feel like we're on the journey, and there's something about, you know, and I think this comes across in Natasha's poetry as well. Something comes across about, you know, this connection between the feet on the land and the movement of the body through the land, and how this, you know, it inflects your relationship with the land and leads to kind of a reflection on the space around you. Yeah, I think for me, I, as a journalist and a documentary maker, I traveled all around the world. But in coming back to Ireland 6 years ago, 2015, however long ago that was, in 2015, 6 years ago, I ended up exploring a very small space. And it was one I knew, you know, I think it reminded me of what Nelson Mandela said, there's nothing like coming back to a place that's unchanged to see how much you've changed. Mm-hmm. And I think in that run that I did a run through my county, a marathon. It was a way to explore a terra madre, a land that I knew really well, but actually see it with fresh eyes. And I think that the act of movement, I don't know, when you were talking, it reminded me of Bruce Chatwin's Songlines book. And, you know, he's going on these journeys to explore the landscape and what it means. And I think for me, particularly since COVID has happened, that we have been reduced down to these smaller spaces. Mm-hmm. So you have to find new meanings in the landscape. And I think it's like in a Taoist sense, I've been reading a lot of Taoism lately, that, you know, you might walk the same 5 kilometer walk each day as I do here in the countryside, but actually it's different every day and you're different every day. Mm-hmm. And I think that the stories that we hold within this landscape and the three regions that we are from are very ancient and hold a lot of stories that, in a sense, I think as writers and poets, it's our job to record and know those stories, even if we're never going to write about them, but that we know them and hold them in our space. I think that mm-hmm. there's a dríocht, which is an Irish word for magic, but I think there's a dríocht in that, because there's an Irish word, Jean Shanachas, a Gaelic word, and it's actually kind of untranslatable, but it means the knowing of the knowledge of local places and the geography of it, because in Gaelic geography and history were always linked together. Mm-hmm. And I think that I just find that really interesting, because there's a story within a name of a region, or even as micro or small as from my farm, there's different townlands within mm-hmm. the farm, and each one tells you a story about what the people who lived there previously right. titled it. Mm-hmm. So it helps mm-hmm. you shape your understanding of it. Mm-hmm. Et Natasha, parallèlement dans vos poèmes, j'avais l'impression de participer à une sorte de voyage, de toucher la terre, de respirer la terre, de vous accompagner dans une sorte de voyage à travers votre territoire. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette idée de le lien entre le voyage, le mouvement et la découverte de la terre? Ça fait plusieurs années que je travaille sur la notion de relation territoire et aussi de poétique de la relation territoire. Depuis, c'est drôle parce que en même temps, John raconte une expérience qui est arrivée en 2015, et pour moi, ça a commencé aussi en 2015, cette relation-là avec la poétique de la relation territoire. Donc, c'est drôle, dans l'espace-temps, il y a quand même des notions, des points communs. Et depuis, en fait, j'ai vraiment voulu travailler sur expliquer quelle est cette relation-là et quelle est la poétique de la relation mm-hmm. au territoire, non seulement des Innus, mais aussi de la plupart des nations autochtones ici et ailleurs. Et essentiellement, à ce que j'ai compris, notamment dans la philosophie Innu du territoire, il y a vraiment comme une relation
très proche entre l'inu, qui veut dire l'être humain, l'animal qui est le caribou notamment, et l'ensemble de l'environnement qui est considéré comme une entité, mais aussi comme une énergie très puissante qui fait mouvoir beaucoup de choses. Mm-hmm. Et pour entretenir cette relation entre ces éléments, comme le caribou est déjà en mouvement et que l'environnement provoque le mouvement du caribou, on comprenait que l'inu devait être aussi en mouvement et donc participer à la circulation des éléments, des autres êtres vivants et aussi des énergies sur le territoire pour faire en sorte de maintenir un équilibre du monde à l'intérieur même de ce territoire-là. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, à ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on concevait que l'environnement ou la nature, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, la terre-mère ici, surtout aujourd'hui, elle semble nous inviter ou nous attendre. Et j'ai l'impression qu'en cette époque, elle nous attend plus qu'elle puisse vraiment nous aider à entretenir cette relation-là. Elle nous attend à répondre à l'invitation qui est totalement naturelle et qui est, je pense, à l'origine du monde, d'être en relation avec le territoire pour rentrer dans l'équilibre et maintenir l'équilibre. Et en fait, l'être humain appartient à l'équilibre du monde et s'il refuse constamment cet équilibre, il provoque en quelque sorte un déséquilibre, un débalancement, et c'est là que surviennent les choses comme les changements climatiques et comme, par exemple, les pandémies dans lesquelles nous sommes maintenant. On sait que c'est en partie relié. Mais si on accepte cette relation, si on entre, et je conçois que mes ancêtres étaient conscients lors de leur entrée dans le territoire et de la notion de circuler qui était très importante, qu'ils étaient conscients qu'en maintenant cet équilibre, ils savaient qu'ils allaient pouvoir continuer non seulement de survivre, mais aller au-delà de la survie, à vivre une vie pleine en étant des êtres humains, des êtres faits par la nature elle-même. Mm-hmm. Et donc, en trouvant une plénitude, eux-mêmes participent à l'équilibre et tout devient interdépendance. Et je pense que c'est vraiment une notion, non seulement comme Frédérica disait, qu'on a perdu, mais je pense que justement, on est en train, vu les crises globales du moment, on est de plus en plus appelé à rejoindre cette relation pour reformer l'équilibre. Et pour moi, donc, la circulation, le mouvement devient d'une importance capitale. Et je pense qu'il est très bon de questionner de quelle façon aujourd'hui, dans le monde contemporain, on circule sur les territoires, vu l'utilisation des hydrocarbures, par exemple. Mais je pense qu'il serait bon de continuer à réfléchir avec des énergies renouvelables qui ne provoque pas de déchets dans l'environnement et qui ne provoque pas donc un déséquilibre pour qu'on puisse maintenir cette circulation parce que plus que jamais, comme nous sommes en connexion avec les autres cultures, il y a ce besoin de maintenir le mouvement des énergies sur la planète pour continuer à l'aider à vivre et mm-hmm. aller au-delà de survivre, justement. Mm-hmm. Et je crois que là, avec tout ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de connexions à faire avec l'écriture de Frédérica, parce que vous parlez de l'équilibre et déséquilibre, le rapport entre l'être humain et la terre, et notre besoin de modifier notre comportement par rapport à la terre. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir. En fait, oui, pour rebondir sur ce que disait Natacha, c'est vrai que dans notre vision du voyage moderne, c'est je vais quelque part, je vais prendre quelque chose quelque part. Mmh. Voilà. Dans la vision traditionnelle des peuples autochtones, enfin voilà, ceux qui ont préservé une culture avec cette conscience, il y a cette idée qu'effectivement, on participe à un corps vivant et qu'on a une contribution, on est là pour contribuer. Ça, c'est quelque chose que j'ai exploré un peu à travers différentes cultures. Mm-hmm. C'est vrai que ça saute aux yeux la différence entre notre façon d'être, de considérer la terre comme une ressource et la leur qui est de quelle est ma place, comment je contribue à l'équilibre de l'écosystème dans lequel je suis, quelle mm-hmm. est ma place dans cet écosystème en fait. Et c'est vraiment intéressant de creuser, en creusant ces cultures, de voir que chacune a mis en place vraiment des cultures, des modes de fonctionnement pour ça, autour de ça. Voilà. C'est-à-dire que nous, mm-hmm. en fait, on a construit des sociétés pour le bien-être de l'homme, le confort, quelque chose comme ça. Et quand on va voir dans ces cultures
traditionnelle, il y a vraiment cette idée que voilà, on est ensemble autour de comment je préserve la terre mère. On revient à cette idée-là, quoi. C'est-à-dire, elle nous nourrit. Il y a l'idée du don contre don qui est toujours présent. Et c'est voilà, elle nous nourrit et moi, qu'est-ce que je lui rends en retour, en fait. Et c'est une question qui est présente dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est effectivement un point tout à fait totalement différent. Another thing that I liked, I find lots of points of comparison in your work. And another thing that struck me was this kind of idea of voices and stories and knowledge and souls kind of embedded in the land, so that, you know, when you're outside, you know, and you're experiencing the physicality of the land, the air, the texture of the ground, the noises of you know, trees or animals, there isn't only just the physical element of it, but there's also kind of underneath all these like almost hidden people, you know, voices, stories, ancestors. Yeah, I find that fascinating in all three, and knowledge that can be passed on. Parce que chez vous, Frédérica, il s'agit beaucoup de sagesse d'une génération à l'autre. So, John, yeah, I felt almost like, you know, when we were going on the run, because I felt I was on the run with you, that we were almost bumping into people as we went around kind of each bend, or, you know, went by a field, or, yeah, so... Just maybe to talk a little bit about this idea of these kind of people embedded in the land, and these stories that are embedded in the land. Yeah, it's interesting. Yesterday I was filming with a TV crew and on the local river here, and the host asked me. I was talking about swans, and she said there was a family of swans on the river, and we were in a small rowboat. And she said, "What do you see when you see the swan?" She said, "I just see the swan." And I said, "No, I said there's so much more here. I said there's the Celtic mythology of the children of Lir, which is a very famous legend. There is the animal themselves. There is the reading that I have done on the animal, and then there's also, for me on a personal level, my mother believes she'll come back as a swan. So I think of all of these things when I'm looking at this object, and also being very aware that I'm in their space, not that they're in my space. And I've been working on a book about a river over the summer, and I think that I just thought it was an interesting question that the host asked me, because she openly admits, she said, I don't do nature. She said, I don't do nature. I'm not in it too often. She lived in the city. And I was trying to kind of articulate how amazing it was. And there was a line that came to me that I said, it's the imagination of the earth that created the beauty of the swan. And also there was an Irish writer, John O'Donoghue, who used to say that you must keep beauty in your mind. And as we finished filming, the swans rose up and flew past the boat, and I could hear their wings. And when you hear swans fly by, they're mute swans, they don't make a noise, but their wings whistle, they go boop, 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 boop. And I said, just try and remember that noise. I said, because you're not going to hear it again when you're back in the city. And I just thought that's landscape. I didn't answer your question about meeting people, but in a sense, I think when we meet people, we're also meeting other sentient creatures. And I think that's just as important to know. And I think Natasha and Frederica are both saying this, but to know that the Bible says that, you know, the earth was for man's use and mastery, but that's not the case. It's for everyone's use. And like Natasha was talking about the buffalo, I have a huge affinity with buffalo, and I keep writing about them and thinking about them. And in the cow book, I talk about how they were nearly exterminated and wiped out in the US. And I'm always thinking about the trails that the buffalo made across the Great Plains, and that those trails are hidden in some
Buffalo memory, but that they can't walk across them anymore. And, you know, thankfully there people saved the buffalo from extinction. But I think that the animals have their own walkways, their own paths, their own routes through the landscape. And that if we have eyes enough to see, we can notice some of them. But mm-hmm. we also have to know that this was their space before it was our space. Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour vous, Natacha, en lisant vos poèmes, il y a les voix de vos ancêtres partout, leur histoire, mémoire, le passé. Donc, c'est pas seulement des descriptions de la terre. C'est plus que ça. Il y a plusieurs couches, comme disait John quand il parlait. Lui aussi de sa relation avec la terre. Yeah, I'm gonna keep going in English because my mind was settled with that. Perfect. And because I wanted to say so many things about what you just said, and then you at the end you were starting talking about the trails of some animals that they are able to make, and there is a word I wanted already to talk about, the Inuit moon, how it brought me as not only as a poet but also as a single person, you know, just as a person, to other dimensions. And when also because I have lost my mother tongue for years in my life, but it was the first language that I spoke when I was a child. So I when I was able to relearn, I was able actually to recover so much of it, in fact, and I still understand the language also. So when the people are talking to me in Inuit Moon, I still understand, and then I can even understand how the mentality on the top is really different. And then from there, I restarted, in fact, in the 10 past years, to try to regain how I used to think and how I used to function when I was a child, and when I used to live in the city for so long in my teenage years and all, and a bit of my adult life, and still today also. But I have been like really, I was learning mostly Quebecois culture and Quebecois point of view, you know. So a kind of what we will say here in our village is like the white point of view that is not ours. And then, of course, I remember feeling when I restarted speaking my language and also rethinking as how Inu think, I felt like even my body changes. Changed of shape in a way, and also like all my mouth and all my bones, even they it's like they were going back to their places where they used to be, where they have been always been, you know. And then that's why I wanted to talk first about the language, because then since I have been having this experience of feeling even my bones and my muscles changing of places, I think that we underestimate how languages are working into our bodies and also into our minds and souls then. And what poetry taught me, in fact, was to be able to stay not only as a witness to what surrounds me, but also as someone who is really sensitive to what's happening either inside or outside of my body. And then the language, when I was able to speak it, in fact, I felt like all the dimensions opened up to me. And when I speak French or English, I always feel like I speak like from the surface, and I'm not able to go deeper or higher. But then when I speak my language, I can go either ways. And when, by example, I give always the same example from the word Washishkwan, that means the sky is blue. And in French, it seems like really a factual. But in fact, in the language, it means like, I am in relationship with the sky and the blue of the sky, and the blue is having an effect on me. And also when I say Washishkwin, I talked about the whole environment. So since I have been able to respect my language and to be able to rewrite in it and to be able to perform in my own language, it's like for me, I open my whole vision and my whole, how to say that, consciousness from the all the parts of my body, and then I can be able to write from all this perception. And then since lately I have been hearing back some words that used to be not used in the past years, because we're such in a really strange relationship with the urban life, and also like with the contemporary society, and also all the what I call the dominant society as well, like as the white society here. And we have our small villages, and we have to
go across the white society to get back to another not society, but Innu village, for example. And then we're getting back some words that were used into the territory. And then there is that one, Kabadagan, that means that are in fact all the trails that Innu used to take, the same ones into the territory, in the whole land where we were doing the portage. I don't know the name in English, but it's like when we used to walk through the lands and carrying our canoes on our backs and shoulders and all our bags and the children, even our elders, we were carrying them on our backs. And Kabadagan means like people are really wanting to use it again, because it means like refinding the trails, because they are still there, even that we didn't go on the land for maybe decades, and they're still waiting for us. And on those trails, the ancestors are still walking them, and they're still waiting for us. So there is a need for a movement to get back to the land, to be able to rewalk on the trails, on the Kabadagan, and then to be able to remake our own history from our own perspective. And that's where I am into the getting back of our narratives in the contemporary literature right now. Okay, merci beaucoup, Natasha. Et Frédérica, pour continuer un petit peu avec cette idée de l'effet de la terre sur notre identité, notre perception de soi. J'aimerais parler un petit peu de cette idée dans votre écriture de la terre comme une sorte de thérapie, de guérison, pas seulement pour les maladies physiques, mais pour notre santé mentale, notre équilibre, si vous voulez, en général. Ça, c'est un aspect que depuis peu la science commence à étudier, commence à dire effectivement, la nature a des effets, il y a des études qui le mesurent là, depuis 15-20 ans, maintenant on commence à travailler là-dessus. Mais justement, ce que je trouve intéressant pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que dans notre approche de la nature, on a une approche par le côté visuel, en fait. On voit la nature, on la décrit dans notre vision moderne, disons, et on l'analyse. Mais il y a vraiment que cette, comment dire, c'est comme s'il y avait on avait un langage effectivement avec la terre qui est un langage de moi humain, je t'observe. Et ce qu'on retrouve dans les cultures autochtones, c'est moi humain, je ressens, et parce que je ressens, la terre me parle, en fait. Donc dans cet espace là il y a un dialogue qui peut se créer, et dans cet espace de dialogue il y a effectivement quelque chose qui est naturellement thérapeutique, parce que ça nous renvoie le reflet de qui on est, tout simplement. Il y a des exemples, oui, on peut en vivre, même ici, même chez nous. C'est simplement se remettre à l'écoute de qu'est-ce que cette terre, qu'est-ce que cette nature nous dit, quand je vais faire une balade en nature, qu'est-ce que je vais croiser. Ça va être vraiment d'être dans l'attention, dans la présence. L'histoire du signe, elle est magnifique pour ça, parce qu'elle nous raconte vraiment tous ces aspects qu'on a en nous, en réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des humains producteurs, consommateurs. On a en nous toute une imagerie ancestrale. Alors, on en a beaucoup perdu, c'est pour ça que nous, on est un peu perdus avec tout ça. Mais quand on commence à retrouver ça, rien que réexplorer les vieux contes, même d'Europe, on retrouve dans toutes ces histoires quelque chose qui nous met. Ce sont des histoires d'animaux, ce sont des histoires de terre, ce sont des histoires d'humains. Et tout ça, ça vient à l'intérieur de nous rétablir aussi des équilibres. Donc, pour moi, les histoires, la nature, c'est lié, en fait. C'est comment l'être humain se remet en lien avec quelle histoire il raconte. Et en fait, quand on parle de bien-être et de santé, qu'est-ce que c'est que le bien-être et la santé? C'est la qualité de l'histoire que l'on vit dans la relation avec le monde, dans la relation avec l'autre, la nature. Et c'est vraiment c'est dans cette histoire-là que se crée l'équilibre, en fait. C'est une continuité. Il n'y a pas de séparation, en fait, entre ce que je suis et ce que je vis. Donc voilà, d'où l'importance d'aller
renourrir à l'intérieur de nous ces relations avec la terre sur laquelle on vit, Oui. quoi, et de laquelle on vit. Et... ouais. Continuité, même, on pourrait dire, intersubjectivité entre nous, les êtres humains, et la terre et l'environnement en général. Oui, c'est vrai que ce terme d'intersubjectivité, il est intéressant parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui d'interdépendance. C'est donc, bon, Oui. je dépends de la terre, mais en dépendre, ça veut dire j'en ai besoin quelque part. Oui. Alors que l'intersubjectivité, c'est moi, je suis, mais la terre est, enfin, les animaux sont, enfin, chaque espèce est, et c'est par la relation entre chaque, quelque chose va émerger, en fait. Donc, c'est cette importance de reconsidérer les autres êtres comme des sujets, et ça, c'est présent dans toutes les cultures racines, c'est clair. Donc, j'aimerais retourner un petit peu au titre du panel à Terre-Mère pour concentrer un peu sur la notion de la Terre comme femme, la féminité de la Terre et si, à votre avis, il y a une relation spécifique entre la femme et la Terre qui est différente de la relation entre l'homme et la Terre ou si vous n'êtes pas d'accord du tout avec cette observation. Donc, Natacha, c'était l'idée de la Terre comme femme. Pour moi, c'était vraiment présent dans vos poèmes, même la Terre comme le corps de la femme. Il y avait beaucoup de références au ventre de la femme, de comparaison entre le physique de la femme et la terre, et des images de naissance, de grossesse, etc. Oui, c'était c'est sûr une extension un peu d'enseignement qu'on dit ici traditionnel que j'ai reçu au travers de mon propre cheminement spirituel et philosophique. Et dans la poésie, c'était pour moi le lieu où je pouvais vraiment vivre amplement au-delà des limites que la société contemporaine me donne en tant que femme, tu sais. Et en même temps, c'était le lieu où je peux vraiment vivre pleinement de la philosophie de mes ancêtres et de l'enseignement que j'ai reçu en étant une jeune femme, puis en étant une femme pleine, donc fertile, capable de donner la vie. Et même si présentement je ne suis pas mère et je n'ai pas eu la chance c'est ça, d'avoir des enfants. Donc de procréer, mais j'ai quand même consciemment c'est en quelque sorte cette fonction parce que en étant artiste, en étant créatrice, je continue quand même ma capacité d'être femme et ma féminité en quelque sorte en créant et en créant toutes sortes de choses. Donc c'est sûr, la notion de maternité est moins poussée de ce côté-là dans le sens maternité par rapport aux œuvres qu'on produit, mais dans la poésie, je me suis dit pour vraiment me connecter à l'identité du territoire, de la terre, de l'énergie féminine, j'ai voulu m'y étendre physiquement, mais en poésie pour vraiment, comme on dit, embody l'identité du territoire. Mais en même temps, à l'époque, j'avais vraiment comme, j'irais, une éducation plutôt hétéronormative. Et depuis plusieurs années maintenant, je souhaite vraiment étendre ma conscience beaucoup plus loin que justement ce que la société contemporaine ait pu m'imposer en quelque sorte. Et je vois donc maintenant la terre nourricière, la terre mère comme quelque chose qui est de tous les genres, en fait, qui a tous les genres et qui a cette capacité donc d'avoir autant l'énergie féminine, l'énergie masculine de façon égale, mais aussi les deux en même temps dans une forme complètement qui est pleine. Et tous ces éléments sont fertiles ou ne le sont pas, dépendamment dans les lieux du territoire, dans les lieux de la nature, il y a des choses qui sont fertiles et d'autres qui ne le sont pas naturellement. Donc, il y a un équilibre là-dedans. Donc, je tente vraiment de continuer ma réflexion et de comprendre comment est-ce que moi, je peux vraiment continuer à entretenir cette relation avec le territoire en poésie, mais surtout avec toutes ces énergies dont elle recèle et de continuer aussi
aussi parce que notre société est en train de changer. On est en train d'ouvrir de plus en plus l'espace aux personnes justement de tous les genres. Et je me dis, je pense qu'on traverse vraiment une transition importante de nos sociétés qui sont de plus en plus semblables à ce que la Terre est réellement dans toutes ses identités. Et donc, je me dis, je pense qu'il faut, pour se rapprocher encore plus, en plus de nos philosophies traditionnelles, de nos philosophies anciennes, il faut continuer à aller dans cette transition et d'accompagner finalement tous les êtres humains dans ce changement important qui va nous nourrir tous au final. And John, you know, in Irish literature, I mean, Ireland has always been represented as a mother. You know, if you think of like the poems of Evan Boland, for example, and you know, we've have this sort of idea of our land, our nation as feminine. And so I was just wondering, is there anything, you know, as you ran through the land, did you have any sense of, you know, this kind of the landscape as maternal, or something particularly you know, feminine about it, or do you think that, you know, that it's kind of neutral and that is an old-fashioned way of conceiving of space? No, I don't. I think it is a mother. I was writing this new book, and I have a line in it where I said I was a person who lived in cities for nearly 10 years in Sydney and Toronto, and the earth didn't shape my face, but since I've returned to work on the land, the line that I said in the book was, the earth is shaping my face, let her paint me as she sees fit. Mm-hmm. And I thought about how being in nature and being on the land has given me, I'm losing my hair, I'm getting lines on my face, I'm being weathered by the earth, and I do see it as a mother. And I think that, you know, I said, let her paint me as she sees fit. And I think that you can see the earth shaping people. And it's, I think in when you see that in people who've lived their whole lives on land, that they have been shaped by this. But it's even though their faces may look worn and old, they're usually very happy people, and they've gained a wisdom from the Mother Earth, and it's a quiet wisdom. And you could live in a place your whole life and never travel around the world, and yet be as wise as a philosopher in London or something, you know, or wherever wise philosophers are. But they're up in Derry. They're up in Derry, yeah. but I think I've always thought of it as a mother and a maternal thing. I think being on the land, it's a continual. We've just finished lambing season on the farm, and I never really considered it until someone said to me, you're essentially a midwife. You know, farming is seen as a very masculine thing, but we take care of female cows, female sheep, female pigs, whatever the animal is. And we are surrounded by maternal energy all the time. And I think for me, that maternal energy brings out a softness and a kindness in me. So when the lambs are born, I'm not thinking about, oh, they're worth this amount of money. I'm thinking about, I want you to live. I want you to be happy. I want you to have a good life. And I think that, yeah, if we could only, and Frederica was saying this, if we could only get back to that space where we were viewing the thing as maternal. I'm always conscious of, you know, my father said a line to me, which is true to so many things. He said, modern farming is becoming more industrial and harder. And he said, we're putting all this pressure on the back of a simple beast that hasn't changed in thousands of years. And I think in a way, the earth hasn't changed in thousands of years, and yet we are expecting to take mm-hmm, from it. Mm-hmm, and we expect it to be able to stand up to this. But if you take from your mother and you never give back, how can she continue to be your mother? Something I think about a lot. Et pour vous, Frédérica, partagez-vous cette idée de
de la terre comme sujet féminin ou sujet maternel? Y a-t-il quelque chose de spécifique entre la relation de la femme et la terre ou... Alors, la terre maternelle, oui, voilà, elle nous nourrit, elle nous soigne, elle nous aide à grandir, elle nous apprend plein de choses. Enfin, voilà, encore une fois, dans les cultures traditionnelles, elle donne tout. Elle donne tout ce qu'est l'humain. En fait, elle nous a fait ce que nous sommes. Donc oui, c'est une mère, c'est évident. Après, la question de est-ce que nous, femmes, on est en lien avec ce... Oui, dans le sens où nous portons tous une énergie féminine. Je dis tous, nous portons tous une énergie féminine et masculine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet parfois complexe parce qu'on oppose, en fait, on veut absolument opposer l'idée de ouais, bah, on a sou... enfin, nos sociétés ont probablement beaucoup souffert du patriarcat. Dans les sociétés où la question ne s'est pas posée, c'est beaucoup plus tranquille. Voilà, une femme est une femme, un homme est un homme, mais c'est comme ça. Et même parfois, il y a des possibilités de changer ça et ça gêne personne. Donc c'est vraiment, je pense que, enfin, en tout cas, je perçois que dans nos sociétés, il y a eu l'histoire du patriarcat qui fait que ça devient un sujet très, très complexe à aborder. Oui, il y a... Effectivement, en tant que femme, moi, je suis maman au moment où je portais la vie, je me suis sentie très en lien avec la terre, absolument, bien sûr. Mais c'était une expérience fabuleuse. Je suis convaincue que tout le monde peut la faire. Comme disait Natacha tout à l'heure, enfin, c'est de la créativité. Jung parle de ça, effectivement, de voilà, l'énergie féminine, c'est une énergie de créativité. L'énergie masculine aussi d'une autre façon. Et donc voilà, c'est simplement, pour moi, c'est un vocabulaire qui peut nous permettre de comprendre l'invisible à l'intérieur de nous, plus que de plaquer des standards, en fait. Voilà, ça peut nous permettre de comprendre que, bah oui, ce que disait tout à l'heure John, là, quand je suis en train d'accompagner la vie, je suis vraiment dans soutenir l'énergie féminine. Et quand je suis en train enfin, de rentrer dans une action avec un peu plus de force, c'est plus masculin. Et ça, c'est marrant parce qu'on le retrouve justement aussi dans les vocabulaires de ces langues-là. Souvent, il y a cette idée d'une énergie masculine. Le temps peut être, la pluie peut être masculine ou féminine, le vent peut être masculin ou féminin, et nous aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'un. C'est plus la conscience de l'existence de deux énergies et de comment on peut les équilibrer à l'intérieur de soi. Et peut-être l'intérieur de nos sociétés aujourd'hui. En fait, l'enjeu, il est peut-être là, comment on peut rééquilibrer ça et inventer de nouvelles formes en ayant cette conscience de ces deux énergies en nous. Andiam, oh, Natacha, oui. Oui, je voulais juste ajouter justement dans les langues autochtones, dépendamment des nations, mais par exemple dans l'Innu-Aimun, il n'y a pas de masculin féminin pour accorder les mots ou conjuguer. Donc, il y a vraiment comme. Et même, on s'adresse aux animaux comme on s'adresse aux humains. Donc, tout ce qui est vivant, en fait, est à égalité. On sent déjà dans la langue aussi de la façon dont on entre en relation avec souvent les sépare justement entre inanimé et les choses inanimées et animées. Et déjà, ça montre beaucoup comment est-ce qu'on a voulu justement laisser les choses comme la nature les a faites, en fait. We have time for a very quick last question, but maybe just a minute or two per person. I just wanted to hear what you thought about, what your thoughts were on how the pandemic has changed our relationship with the land, and if you think it is going to have a positive effect on the way that we interact with the environment, or if it's going to propel us back into an even or into an even more lamentable state where, we have felt so cooped up that we just want to get back out and, travel and take and destroy. So, what way do you think it's going to go? Do you think the pandemic's going to lead to a better future in terms of our relationship with the land, or if it's going to just, lead to even worse than we had before? John, I might start with you. Just so if you just qu quickly, because I think we've only got 5 minutes left. Yeah, sure. I hope it's going to change things. I remember
When the first lockdown came globally, we saw the dolphins in Venice and we saw the fish in the canals and there was foxes in streets and goats and everything. For me, I went on a canoe trip down the local river and with a friend, and I would never have done that trip because I was always finding another excuse to do it. And in a way, I saw the local landscape that I live in with completely new eyes, and hence me talking about the swans. But I think if we could hold on to a little bit of what we learned in that first lockdown globally, but I fear that we're already departing from it again, and the earth, the mother earth, is again being seen as a commodity again. I think if we could just learn a couple of lessons from that time of silence, that we could hopefully make a difference to the earth we live upon. And even if it's only one person out of 10 that makes that difference, that's still a huge difference. So, yeah, I won't talk too long, but yeah. Et Frédérica, qu'en pensez-vous à la pandémie? Est-ce qu'elle aura des effets positifs dans le long terme ou des effets négatifs sur en ce qui concerne notre relation à la Terre? Comme John, j'espère qu'elle aura des effets positifs. Pour moi, elle met vraiment l'accent sur le fait que voilà, on a détruit des milieux et ça nous vient en retour. Enfin voilà, c'est pas Dieu, c'est juste on a créé quelque chose et la situation. Enfin voilà, on a le résultat de la situation qu'on a créée aujourd'hui. Hein, donc ça peut être une occasion d'apprentissage, ça peut être une mise à l'épreuve. Pour, ok, les humains, est-ce que ça, vous êtes capable de le voir? Est-ce que vous changez quelque chose dans votre comportement? Ce serait chouette. Voilà, donc pour moi, on est à la croisée des chemins dans notre culture. Soit on décide de reprendre le dialogue, soit on continue de combattre. Et donc, combattre quoi? La nature et donc nous-mêmes. Et on aura le même type de retour de bâton. Je préférerais sincèrement la première option. Je perçois que beaucoup de personnes commencent à en prendre conscience, qu'il y a une recherche de justement comment je réouvre cette discussion, ce dialogue. J'ai l'impression que ça émerge aujourd'hui partout, dans tous les milieux. Donc, pourvu que ça puisse être nourri et que ça nous ramène vers un peu plus d'équilibre. Et Natacha, qu'en pensez-vous? Est-ce que la pandémie a le potentiel de forcer une certaine prise de conscience? Je vais le dire en anglais, mon cerveau. Sorry. For me, by example, like lately with my ex-partner, he's from New Zealand and we're still working together. And lately he was talking about the idea of making a new community through the virtual skies and to be able to connect with people we don't see usually, but we are able to speak with through the videos and audios. And he was talking about mostly like how anxious we are with devices. Meanwhile, we should be like trying to remake that relationship with these, because in our really ancient stories, we used to talk about technologies who used to help us to live and to live our relationship with Mother Earth. And in fact, the pandemic brought us to get back to that kind of ancient memory, where we are traveling with our spirits and souls through the lands. And that's how we are in a way connecting to all the ancient memory of our bodies as human beings. And that's something that I really like thinking about it. And that's how, even like I'm still anxious about the pandemic, I try to put it aside a bit and thinking about my ancestors, how they used to be when they didn't have, when they were not able to travel the land because they were too old, or since decades now that we don't have really access to the land, we try to keep in our minds the land and to keep our relationship and then travel with the land, in fact, in spirit. Beautiful image, I think, to end the discussion with. Thank you, everyone, for your input. I would love to stay here longer and chat to you more. Thanks so much. Merci beaucoup à tout le monde.
Just one last thing before I finish up. This is the last panel of the day, and we'll be back tomorrow morning, Saturday, the 17th of April, with our panel at 10 a.m. on animals, les animaux. So I hope to see all, or if not, some of you again tomorrow morning. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.